grâce au père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. C'est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous laisser détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Jouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ. Je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi.